On se retrouve à nouveau pour une vidéo gaming. J'ai pas l'habitude de faire du gaming, hein, comme vous le savez, mais aujourd'hui je vais affronter un pro à FIFA. Il y a quelques semaines, j'avais affronté deux abonnés, j'avais d'ailleurs perdu contre eux. Mais aujourd'hui, j'ai hausse le niveau car je vais affronter notre ami Arsène qui est en ligne. Tu vas bien, Arsène? Ça va, toi, Wass? Je suis prêt, hein. Ça va, hein. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très particulière parce qu'on s'est lancé un énorme challenge avec Arsène. Arsène, hein, qui est un professionnel du jeu FIFA. T'as des titres, toi, c'est ça, non? J'ai été champion du monde des youtubeurs FIFA en 2018. Et sinon, je suis souvent classé dans les meilleurs sur FIFA en France. Mais maintenant, je suis plus joueur pro. Je suis ambassadeur pour le PSG Sports, mais je suis tout le temps presque dans les top 100 mondiaux. Donc, je suis encore à un très très bon niveau. Oh, le mec qui se la pète, j'hallucine. Non, écoute, moi je suis champion du monde de rien, mais on va voir. Aujourd'hui je vais essayer de me débrouiller. En tout cas, Arsène, je t'annonce que pendant cette vidéo, chaque but que je vais te mettre, étant donné que tu es un champion du monde et moi je suis un champion de rien du tout, à chaque but que je vais te mettre, tu vas me devoir 100 euros. Ok? Et chaque but que toi tu vas me mettre, tu vas me devoir 50 euros. Non, pardon, je vais te devoir 50 euros, pardon, plus à l'inverse. Ah ouais, sinon je me vide. Ouais. Donc ce qui va nous forcer à chacun se donner à fond, sinon on est ruiné. Donc Arsène, est-ce que tu es ok avec ce deal? Moi je suis ok, mais j'espère juste que tu vas réussir à marquer, ça le truc. Bah écoute, comme on dit, la chance du débutant, c'est pile poil la deuxième fois que je joue à la Play cette année. La première fois c'était avec les abonnés, en 2020 j'ai joué deux fois à la Play et c'était deux fois à FIFA. Par contre j'ai l'habitude de jouer sur Twitch, mais c'est différent. C'est pas pareil avec la manette, mais après le gameplay est après pareil, donc je pense que ça va. Avant de commencer le match, j'en profite pour vous dire que pour tous les fans du jeu FIFA et pour tous les fans des spinballs, il y a une réduction avec le code FIFA. Vous pouvez bénéficier de 15% sur toutes vos spinballs avec le code FIFA, donc profitez-en pour ceux qui jouent à la console ou qui aiment bien FIFA ou qui veulent juste un code de réduc, allez-y. Alors c'est parti pour le premier match. Arsène, je te demande pas à qui tu vas prendre évidemment. J'ai le maillot sur moi, PSG direct. Je te vois pas, mais bon, je présume aussi que t'as le maillot. Moi, je vais prendre la Juve. J'hésite entre... Non, je vais pas prendre Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour le Bordelais, mais j'hésite en vrai entre Barça. Non, tu sais quoi, je vais prendre le Barça, je suis désolé. Hein, allez. Voilà, mais je me dis que vu que Messi, il est super bien noté sur FIFA, apparemment, de ce que tu m'as dit. Non, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, le Barça, c'est pas mal aussi. Franchement, le Barça, je te dis, la Juve et le Liverpool, et PSG, c'est... Et la France, c'est bien. Bah, c'est parti, hein, je vais prendre le FC Barcelone. Arsène, j'ajoute un extra bonus. Si tu arrives à marquer avec ton gardien en partant de ta surface de réparation, ce but-là vaudra 200 euros. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair. Clair, net, précis. Voilà, je mets un maillot blanc. Un énorme chaud. Risque. Franchement, c'est chaud. Moi, je vais prendre le bleu. Couleur. Le bleu du Barça, je le trouve trop stylé, celui-là. Ah, allez, bah, je vais prendre le rouge. Après, le Barça, le seul petit problème en général, ça va être Piqué qui est un peu lent en défense. T'aurais pas pu me le dire avant? Non, mais il est quand même bon. Il est quand même le bon. Mec, attends que je prenne le Barça pour me dire que fallait peut-être pas prendre le Barça, tu vois. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah pour moi, aucun cadeau. 3, 2, 1, let's go, c'est parti. On va voir qui va payer le plus au final. Même si j'ai une petite idée. Donc Arsène, toi, tu es champion du monde FIFA, c'est ça? Exactement, des youtubeurs FIFA. C'est-à-dire que t'as joué contre les meilleurs youtubeurs FIFA du monde entier? En fait, on avait fait une compétition en 2018, juste avant justement la Coupe du Monde en Russie, où la France a été championne du monde. Ouais, je me rappelle. Et on était un par pays à être à représenter justement son pays. Moi, je représentais la France, c'était à Los Angeles la compétition. Ouais. Et j'avais remporté du coup la compétition là-bas. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, ça. Qu'est-ce que ça te fait de représenter la France? C'était ouf. Dans un jeu vidéo déjà, pour un jeu vidéo, c'est ça que je trouve ça. C'est ça que je trouve ouf en fait. Je me donnais à fond, je me suis dit que ça peut être le moment de marquer l'histoire ou de faire un gros truc. Il y avait l'hymne et tout? Non, il n'y avait pas l'hymne. Ah, c'est dommage. Moi, le moment, je pense que je kifferais le plus. On avait tous. Le moment qui est le plus kiffant, je pense, quand tu représentes un pays, c'est l'hymne au début. Ouh là là là, il a failli marquer. On essaie de se chauffer un petit peu. Ouais, c'est sûr que ça doit te mettre encore plus la chair de poule, je pense. Moi, j'ai une question, Arsène, rien à voir, mais pourquoi il n'y a pas l'Algérie dans FIFA? C'est les droits. Je sais pas. Ah ouais? Parce que moi, je joue sur, principalement sur Switch, je joue jamais sur la Play. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je joue à la Play là, cette année. Une fois, je voulais prendre l'Algérie, j'ai pas trouvé dans les nations. C'est dommage, franchement, je trouve ça dommage. Ter Stegen, il est trop trop fort. D'ailleurs, dites-moi, vous, quelle équipe vous prenez sur FIFA? Et surtout, j'ai envie de savoir un truc, quelle équipe vous me conseillez de prendre
En tout cas, les trois équipes que j'ai l'habitude de prendre quand je joue à la Switch, c'est Juve, le Barça et je prends souvent Liverpool aussi. Pas le PSG ? Si, quand même. Bah, le PSG, honnêtement, j'ai joué. C'est quoi ce gardien ? C'est quoi ce gardien ? Ah oui, attends. Le PSG, je joue avec à FIFA, mais c'est pas l'équipe que je prends le plus. C'est pas l'équipe que je prends le plus. J'aime bien varier en fait. Des fois, je vais prendre Paris, des fois, je vais prendre Liverpool, des fois, je vais prendre la Juve. Même le Real, des fois, ça dépend. Ah, ça va, t'es en place là derrière. Franchement, derrière, ah, j'aime pas trop. Je sens que je vais marquer, je sais pas pourquoi. Tu marqueras pas. Jamais sous-estimé ton adversaire. Parce que pour l'instant, je te signale qu'on est à la 24ème minute et qu'il y a toujours 0 but. Et que je joue quand même face à un champion du monde. J'ai pas trop de réussite, t'as parlé un peu long. Fallait pas parler, ouais. Je sais pas pourquoi je sens que je vais marquer, je sais pas pourquoi. 1-0 avec Neymar Junior. 1-0, but de Neymar, ça fait 50€ dans ta tirelire, Arsène. Je te rappelle quand même que si tu marques avec ton gardien, ça te fait 200€ le but. Je dis ça, je dis rien. Ok, on va essayer d'avancer un peu les buts déjà. Et pourquoi je lui propose ça, vous allez comprendre, c'est que en fait, bon, c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que si lui il marque avec son gardien, chose qui est vraiment très difficile, je pense pas qu'il va pouvoir y arriver. Par contre, il y a beaucoup de chances que moi j'arrive à lui prendre le ballon et de frapper de loin et de marquer. Donc je sais qu'en faisant ça, c'est qui tout double. Il marque, bah je perds 200, mais par contre. Arrêtez de marquer quand je parle à mes abonnés, s'il te plaît. Mais je vois que t'es concentré, et du coup j'en profite. Non mais je parle à mes abonnés, il y a un petit moment. C'est pas cool. Bref, vous m'avez compris, en tout cas, si sort son gardien et que je prends la balle, j'ai plus de chances de marquer. Ça te rappelle, on avait fait une vidéo où on reproduisait les gestes techniques de FIFA en vrai, tu vois. Ouais. Là, c'est le moment de les mettre à profit, là. Oh là. Virgule en l'air, ça te va ou pas? Tu m'as demandé, je t'ai répondu cash, illico presto. Arsène, je suis à terre, là. C'est quoi ce but? Petite séance de jonglerie. Ah, c'est un truc de ouf. Bon, bah 3-0, ce qui fait 150€ dans la tirelire d'Arsène. Oh là là, et on est à la 33ème minute. Ça s'annonce très très mal, il va falloir que je marque pour l'instant 2 buts pour revenir à 0. Parce que je vous rappelle qu'un but vaut 100€. Non, c'est moi qui marque Mbappé, j'aime pas ça. Ah non, Neymar, s'il te plaît. Ah, t'as tenté une petite fantaisie, mais ça passe pas avec moi ça. Et du coup, toi, t'as pas de. Oh mon dieu, celui-là, si tu l'avais marqué. Ah, t'aimes bien ce genre de but ou pas? C'est magnifique. Ça y a très peu de chance. En plus, pour de vrai, ça c'est vraiment un but. Et Neymar pourrait marquer en vrai, c'est vrai, c'est carrément dans son style. Ouais. Tu vois. Autant il y a des buts, double contact en l'air que t'as marqué et tout, c'est un peu, on va dire, improbable. Ah, quoique, Ronaldinho aurait pu le faire à l'époque, tu vois. De nos jours, c'est pas ce qu'on fait dans le football. Ouais, voilà. Je pense pas qu'Mbappé ferait ça devant les cages. Mais là, ce que tu viens de faire avec Neymar, c'est carrément un truc qu'il aurait pu faire en vrai. C'est dans son ADN. Ouais, Neymar, ouais. Il a ça dans le sang. La Jinga, comme on dit au Brésil. La Jinga de Brésil. Et d'ailleurs, c'est dommage. C'est un des seuls, aujourd'hui qui a ça, je trouve. C'est un peu dommage. J'aimerais bien avoir plus de Neymar dans le football. Toi, tu penses quoi de Neymar? Tu aimes, tu aimes pas? Trop fort. Tu fais trop de gris-gris? Non, moi j'adore. C'est un génie, tout simplement. Ouais, il rend le football beau. Je pense que tu peux pas ne pas aimer Neymar. Bah, t'as des gens qui aiment pas les dribbles, hein, tu sais, plus conventionnels. C'est vrai que parfois, il y a des moments où il va peut-être un petit peu trop abuser, un peu trop dribbler, mais bon. Ouais, mais après. Quand tu vois, le switch, c'est incroyable. Ah, j'ai essayé de mettre un petit but fantastique. On arrive à la fin de la première mi-temps, tu dirais quoi? Tu devais évaluer mon niveau éclaté pour l'instant. Ouh mon... Non, non. Profitons de l'absence de Warner pour marquer le quatrième but. Personne n'arrivera à arrêter le boulet que je vais tirer. Atten s'est mis en position pour tirer avec toute l'énergie dont il dispose encore. Bah, je dirais qu'il y a des erreurs qui sont impardonnables. Au moment où je lui demande d'évaluer mon niveau, le mec il marque un but. C'est quoi cette célébration? Crapaud. Faut être très technique. Oh là là, c'est un truc. Non, franchement, défensivement, tu te jettes pas beaucoup, du coup, c'est pas si évident que ça te passe. Bah, c'est parce qu'à la base, je me jette beaucoup. Donc là, j'ai appris de mes erreurs sur Switch. Donc, t'as marqué vraiment la dernière seconde de la première mi-temps. Ouais, c'est un moment où beaucoup de gens marquent en général. C'est la fin de la première mi-temps. Arsène, petit bilan pour l'instant. Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, 4-0, donc 200€. Ah, c'est pas mal. Oh là là. Après, ça fait mal. Je pense que je peux faire encore mieux, donc on va essayer de continuer à marquer. Mais derrière, t'es quand même assez solide, donc c'est pas si facile que ça.
On va reprendre le match du coup. Arsène, on a 2-0. Je te rappelle quand même, hein, parce que t'es quand même assez à l'aise, t'as 4 buts d'avance, que si tu marques avec ton gardien, t'as 200 euros. Voilà. Ok, mais ça peut me mettre en danger. Ça le truc aussi. C'est qui tout double, c'est comme ça. Oh l'enfoiré, mais c'est pas possible de marquer comme ça. C'est la Ginga du Brésil, tout simplement. Non mais Neymar, je t'aime bien, mais là franchement, c'est pas cool. 5-0, c'est pas possible, on est à 250 euros de perte. Tu m'as dit d'être en mode un peu technique, freestyle. Moi je te montre que je suis peut-être pas freestyler dans la vraie vie. Avec la spinball, j'y arrive un petit peu. Mais avec la manette, je m'y connais, c'est mon domaine. Je suis dégoûté. Vas-y, sors ton gardien un peu là. Je vais le faire. Donc nous, c'est qui le champion? Il a sorti le gardien, Arsène. Il a pris le risque, il a sorti le gardien. Mais tu marqueras pas, Arsène, c'est pas possible. Je te le dis direct. Par contre, il y a un problème là, c'est que j'essaie de te prendre la balle. J'essaie d'aller vers toi, ça marche pas. Mais regarde, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible, Arsène, c'est pas possible. Je suis en train d'essayer de... Ah, voilà. Aïe. Faut pas que je prenne de but. Oh, j'aurais dû tirer. Tu vois que... Et alors, il est physique. T'as vraiment la dalle, hein, tu veux vraiment avoir ces 200 euros en plus. Mais je te dis, je vais pas me laisser faire, ça c'est clair et net. J'arrive pas à te prendre la balle, par contre. Mais non. Non. Attends, j'ai plus personne derrière. Oui. Oh mon dieu. Ah, mais Arsène, dedans. Franchement, j'ai eu chaud. Mais pourquoi quand je vais prendre la balle, ça marche pas? Mais non, mais c'est pas possible, tu la protèges quand t'es de dos, mais pas quand t'es de face. Non, je suis pas d'accord. C'est pas normal, j'ai de prendre la balle, ça marche pas. Navas. Non, y'a rien là. Tu vas faire tirer ton gardien? Non, je pourrais pas le mettre. Vas-y, essaye. C'est impossible. Allez, vas-y, Arsène. Toujours, je peux pas la mettre. Oh, il est pas drôle. Je préfère tenter un coup franc normal, je tente. Vas-y, hein, de toute façon, tu le marqueras pas. Pas sûr. C'était chaud. On est toujours 5-0 pour Arsène. Ouh, j'ai cru qu'elle était dedans celle-là. Moi aussi. Alors là, celui-là, si tu le marques, je suis vraiment nul. En fait, ce qui est relou quand tu fais des gestes techniques, c'est que entre l'admiration au moment où je regarde ton geste, je fais waouh. Justement, c'est à ce moment-là que tu marques, tu vois. Là, c'est vraiment la dernière action, Arsène. Si tu marques là, c'est, là, t'es vraiment chaud. Allez, ciao. Fallait pas me dire ça deux fois, Wasson. Je sais pas quoi dire, Arsène. Allez, je vais tenter le tout pour le tout. J'allais déjà jamais être posé pour te dire. Bon, c'est la fin du match. 6-0. Arsène, 6-0. Ce qui fait 300 euros dans ta tirelire, Arsène. Pas loin d'avoir 500. De toute façon, je vais vous filmer après la preuve, hein, comme quoi l'argent est donné, etc. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Moi, je propose ce que tu m'avais parlé de base. Pour être honnête, c'est de les reverser à la Fondation Paris Saint-Germain, qui aide les enfants, qui aide justement le Secours Populaire, qui aide Action Contre la Faim, qui aide les hôpitaux, les personnes du personnel médical, qui aide énormément de personnes dans le besoin. Bah, moi c'est clair que si tu me demandes, je préfère largement reverser l'argent à une association qui en a besoin. Après, je préfère préciser qu'on n'a ni été sollicité par des assos, on n'a ni été sollicité par le PSG. D'ailleurs, le PSG ne sait même pas qu'on fait cette vidéo. Mais bon, vu que Arsène est quand même ambassadeur FIFA au sein du PSG, on a trouvé ça plus logique de reverser ça à la fondation PSG, sachant que au sein de la fondation PSG, si j'ai bien compris, eux reversent ça ensuite à différentes associations, c'est ça Arsène? Exactement, et en même temps ils aident également, ils accompagnent ces associations là en donnant, je sais pas, du matériel, du temps, enfin franchement ils font plein d'actions à chaque fois. Ouais, et en plus de ça, pourquoi aussi c'est cool de le faire comme ça, parce que moi je fais beaucoup d'événements pour la fondation PSG. Voilà, sur le terrain je vois concrètement les résultats en fait des dons, et c'est vrai que c'est plus rassurant aussi de donner à un organisme où tu sais où va l'argent. Bah c'est cool, merci Arsène, hein. merci à toi, les différentes fondations déjà qui vont recevoir l'argent. Et bah écoute, ça m'a fait plaisir de jouer contre toi, Arsène. Moi aussi, je pense qu'on pourra retravailler ensemble. J'essaierai de te coacher un petit peu et prochaine fois tu seras meilleur. Bah dites-nous en commentaire si vous voulez une petite revanche contre Arsène. On va essayer de monter la somme pour un prochain match si ça vous dit. Voilà, falloir que je m'entraîne un petit peu. Dites-moi aussi quelle équipe vous conseillez de prendre sur FIFA, parce que je sais jamais quelle équipe prendre. Et peut-être que la prochaine fois, je prendrai une meilleure équipe. En tout cas, je vous ai mis les réseaux de Arsène dans la description pour ceux qui sont intéressés par des vidéos FIFA. Merci Arsène. Merci à toi, Vas. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo. Et écoute, on se retrouve bientôt. Allez, nous, on se retrouve tout de suite. Et je vais aller filmer le virement pour la fondation. Allez, let's go. Bon, du coup, là, je suis sur le site. Et quand on se baisse, on voit qu'il y a les différentes associations avec qui ils travaillent. Donc, PHP, Secours Populaire, Action Contre la Faim, etc. Donc, là, on choisit le don. Donc, j'accepte. Et ici, du coup, c'est 300. Du coup voilà, j'ai mis 300 euros et voilà, je vais faire toutes les étapes correspondantes, je vais mettre toutes les coordonnées et je vous montrerai au moment du paiement.
Et voilà les potes, le don a bien été fait. Donc là on a l'attestation et juste en dessous, bah, la somme, hein, 300 euros qui s'affiche. Le virement a bien été fait, ne vous inquiétez pas. Et voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, un grand merci à Arsène qui a accepté de donner son argent, enfin l'argent qu'il a gagné au sein de l'association PSG, qui eux-mêmes reverseront à différentes associations, comme je vous ai montré. Ça me fait super plaisir de pouvoir verser ça, surtout en ce moment, c'est vraiment très important. Si vous avez l'opportunité et les moyens de faire des dons, faites-le, c'est super important. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec le code FIFA sur toute la gamme de chez Spin, le lien est en description. Moi je vous dis à la prochaine les potes, ciao.